Si tu as besoin de crédit, va sur fastfutcoins.com. Le lien est dans la description. Utilise le code Clopi pour avoir 5% de réduction. C'est 100% fiable et c'est ultra rapide. Eh bien, salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de Gagner sinon rien, les mecs. Donc, on avait gagné le premier match avec l'équipe nationale belge. Donc, on va directement relancer un match, tout simplement. Et puis voilà, j'ai pas fait de changement par rapport à la dernière fois. Et puis voilà, ça tombe bien, on a directement trouvé un adversaire, un Brésilien. On va prendre les maillots domicile. Voilà, c'est parti. On va pas perdre plus de temps. 85 de général, 100 de collectif, ça a vraiment l'air d'être du lourd. Et en effet, Ribéry, Kun Agüero, Neymar en attaque. Il y a Vidal, Iniesta, Di Maria. Ouais, et un très bon gardien. Ouais, c'est une belle défense, c'est une très belle équipe d'ailleurs. Bien ça, bien joué Benteke. Allez Dembélé, dégueulasse le but. Non, oh, il l'a sorti l'enculé, l'enfoiré, pardon, excusez-moi. On remet à Fellaini. Fellaini qui remet à Benteke, frappe pied gauche, yes, ça allait dedans, l'ouverture du score pied gauche, Fellaini qui l'a très bien remis dans l'axe pour Benteke, 1-0, 13ème minute de jeu les mecs. Attention, Franck Ribéry, c'est golasso. Là j'ai pas pu défendre mieux les mecs, hein. Le ballon était par dessus tout le monde, et ma défense est très lente à la base. Oui, pour Simon. Simon qui centre, on n'a pas d'autre choix. De Bruyne, bien joué, bien joué, bien joué. Là, il n'y avait pas d'autre choix, les mecs. Hein. Me cherchez pas, la petite bête. Hein. 18ème minute de jeu, on fait le break. Attention. Franck Ribéry. Bien, Thibaut Courtois. Bien ça. Les Nazari, il part. Allez, encore, 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 encore. Yes, tu l'as eu. Et Eden Hazard, ça fait 3 buts à 1. C'est bien, tu t'es démerdé tout seul pour une fois. C'est bon, le break est fait, pardon. Dembélé, oui. Oh oui, bien joué ça. Oh, magnifique Dembélé. Oh putain, t'es sérieux? Et là, par contre, Neymar, il est parti. Hein. Et là, ça fuse, ça fuse, ça, ça fuse. Non, j'aurais pas dû faire l'erreur. Et voilà. Réduction de Ribéry. Arrête de faire tes calmas, t'es en train de perdre, mon pote. Là, du pied gauche, normalement, il y a but de Dembélé. Bien joué, ça, c'est bien joué. Le tir croisé au ras du sol. C'est bon, 4 à 2. Là, c'est pas mal, les gars. C'est pas mal, on est bien. Non, non, non. Oh oui. Oh oui. Oh. On a eu de la moule, hein, les mecs. Hein. Kevin De Bruyne. Voilà, 5 à 2. C'est bon, le break est largement fait, là, cette fois-ci. Dembélé. Dembélé va tenter lourde. Ouh là 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 là, magnifique. Et en plus, il se permet de mettre un joli but, Moussa Dembélé. Magnifique, hein, je vous avais dit que Dembélé, il est trop fort. Bon, voilà, par contre, là, tu peux rêver pour que je la loupe. Hein. Tu me donnes le ballon, tu m'offres un cadeau, je l'accepte. Question de politesse, voilà. Tranquillement, même TK. Tente là. Oh, 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 oh. Heureusement que je dis tente là, elle finit au fond. Magnifique. T'as quel match de... Voilà. J'espère vraiment que ce premier match de l'épisode va vous plaire. Parce que voilà, c'est un semi-long shoot, on va dire. Parfait, parfait. Putain. Et c'est la fin du match, les mecs. Première victoire dans cet épisode 3. 8 à 2, les mecs. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce premier match vous aura plu, les mecs. Un gros carnage. Putain, EA, vous me cassez les burnes. Les gars, je vais jamais réussir à gagner la coupe. Regardez, à chaque fois, ça me fait ça. Donc ça va à nouveau me compter comme une défaite, mais voilà, j'ai gagné le match, donc je vais pas changer d'équipe, à tout de suite. Donc les mecs, voilà, ils nous ont déconnectés, donc ça nous a compté comme une défaite, merci EA encore une fois. Donc on va directement relancer un match avec notre équipe belge, puisqu'on n'a pas perdu le match, malheureusement ça m'a compté comme une défaite alors que j'ai gagné. Donc on se retrouve tout de suite les gars pour le deuxième match de l'épisode, après notre premier carnage. Donc voilà les gars, c'est parti, donc on va tomber contre une équipe qui a 83 de général, un espagnol avec 100 de collectif. Qu'est-ce qui va nous sortir comme équipe? Alors c'est une européenne en 5-2-1-2 avec Neuer au cage. Kylian Ramos, ouais. Pourquoi il sort son gardien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Première minute de jeu. Alors explique-moi pourquoi tu rage quittes au bout d'une minute. Ah mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour un autre match, parce que là, voilà, on n'a pas joué quoi. Donc voilà les gars, on a trouvé un autre adversaire, j'espère que celui-ci va pas quitter tout de suite. 81 de général, c'est un Allemand, centre collectif, donc voilà, ça doit être une équipe assez belle.
Alors ça tout de suite, c'est une ligue, c'est une européenne, voilà. Navas, c'est Huntelaar en pointe, il y a Robben, Kajga. Mitzel, il va frapper. Et c'est le poteau, dommage. Allez Dembélé, bats-toi, finis-le. Oh, c'était très puissant, mais c'est au-dessus. Une petite faute là. On va allumer, on va allumer. Mais c'est encore le poteau. Oh non, dégoûté. Allez, Benteke, viens planter une tête. Putain, mais c'est encore sorti. Dembélé, il passe comme il veut. Mais c'est encore le poteau. Mais là, maintenant. Mais non, les gars, c'est pas possible. Oh là là. Il l'a pas vu, la sortie de mon goal. Faut bloquer, faut bloquer, faut bloquer. C'est bon, on l'a bloqué. Yes, on a géré, là. Ah, ah, ah. Putain, voilà. Troisième tir qu'il a, il met le but. Et voilà, 2-1. Quatrième tir, c'est pas du tout mérité. Hein. C'est pas du tout mérité. Qu'il n'y en a pas un qui me critique, là, parce que... Oui, bien joué, ça. Yes, la déviation de Gillet pour Fellaini. Avec un peu de chance, ça fait poteau rentrant, ça rentre au fond. Mais non, le L1 triangle, tout le monde regarde le ballon et lui il est n'importe quoi. Ah là, je vais me prendre le quatrième. Mais si je me suis pas trop approché de lui parce que je savais que si je le taclais il y aurait eu penalty. Mais là c'est quand même un peu abusé que le ballon il passe comme ça aussi facilement. Ah c'est pas grave les mecs hein. Donc j'aurais perdu. Ça signifie que je vais devoir changer d'équipe les mecs. Donc si je dois changer d'équipe, bah, je vais aller voir les commentaires de ma vidéo précédente et je vais voir laquelle équipe vous vouliez que j'utilise pour la prochaine nation tout simplement. Et puis on se retrouve tout de suite pour le troisième match les mecs, c'est parti. Donc on se retrouve pour le troisième match de l'épisode les mecs. Donc vous avez vu que j'ai une défaite tout simplement parce que j'avais fait un match avec une autre équipe que je voulais tester. Et là vous allez voir que j'ai préparé une équipe de France parce que voilà c'est la nation que vous vouliez que j'utilise, que je représente dans avec la prochaine équipe tout simplement. Donc j'ai pris les joueurs que j'avais, il manque Lloris, il manque Benzema, il manque Valbuena, Cabaye. Donc là voilà j'ai Mandanda parce que bon soutien, bon établissement à lui. Debuchy, Varane, Sako, Evra, Matuidi, Pogba, Sissoko, Ménès parce que c'est le seul attaquant droit, Giroud et Monsieur Franck Ribéry qui sera pas à la Coupe du Monde non plus, Koscielny, Rémi, Sania, Grenier, Mangala, Zuma et Gignac sur le banc. Donc voilà c'est parti, on se retrouve dès qu'on a un adversaire. Donc c'est parti les mecs, donc malheureusement j'ai déjà une défaite, j'aurais pas dû faire un match en fait avec une autre équipe, ça me fausse un peu tout le truc. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas ça qui va nous empêcher d'essayer de gagner en tout cas. Donc on va tomber contre un Italien qui a une équipe européenne, il y a Mandzukic, il y a Matuidi, il y a Hummels, Reina. Pour Olivier Giroud, ça va être court face à Hummels. Alors pourquoi le mec marque contre son camp? Pourquoi le mec marque contre son camp? Alors là, José Reina, je sais pas s'il a cédé face à la pression. Il a même pas fait exprès, regardez, il continue de jouer. Ok, ça m'est jamais arrivé, hein. En vidéo, jamais. Hein. Bah. Paul Pogba qui va tenter la frappe. Oh putain, elle est sortie de justesse, hein. Ribéry va centrer. Olivier Giroud. Et c'est le 2-0. Le break est fait, 12e minute de jeu, les mecs. Ça fait plaisir, on est bien parti en tout cas dans ce match avec l'équipe de France. Attention, Matuidi, il est tout seul. Et c'est golasso, bien joué. Il était seul, il a le temps d'ouvrir son pied gauche, de placer tranquillement, ça fait 2-1. Oh oui, Ribéry. Oh oui, c'était magnifique là, comment t'as éliminé les deux joueurs. Attention, c'est sorti par le goal. Alors là, faudra m'expliquer ce qui lui est arrivé. Attention à Mario Mandzukic, parce que là, le L1 triangle, je peux rien faire contre. Et c'est l'égalisation, voilà. Là, il n'y a pas de savoir défendre ou pas, hein. Il la met par-dessus la défense et je l'ai profond dans le cul, c'est tout. Hein. Sissoko pour Ribéry, oh oui, ça c'est bien joué. Franck Ribéry la frappe. Jérémy Ménez, double contact, parfait l'extérieur. Magnifique, oh là là, belle frappe dans la lucarne. Parfait. Allez. Non, 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 non. Attention, c'est pas fini. Pas de début de dégueu comme ça, s'il vous plaît. Bah, tu dis, allez, bats-toi. Allez, sortez, sortez, sortez. C'est bon, Evra, normalement, tu sors le ballon. Non, 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 non.
Oh là là, le cafouillage de merde, putain. Ah ça, c'était dégueulasse. Ah, corner. Il y a corner, il y a penalty. Et voilà, après le but dégueulasse que je me suis pris avant, il y a penalty. Qu'est-ce qui... Allez, Paul Pogba, t'es obligé de la mettre. Yes, c'est bon, tranquillement à droite, comme d'habitude. 4 à 3. Bien joué, Paul Pogba. C'est sifflé. C'est la fin du match, les mecs. On aura gagné ce match. Bon, ça aurait été difficile quand même, hein, mais bon. Au moins, on aura gagné. 4 à 3, les mecs. Donc, on va continuer avec l'équipe de France. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les mecs. N'hésitez surtout pas à liker et à me dire dans les commentaires quelle équipe je vais choisir. Essayez de ne pas voter chacun dans son coin. Si vous voyez qu'il y a une équipe qui a déjà été proposée et que vous voulez la même, vous likez le commentaire parce que de toute façon, je prendrai le commentaire qui a le plus de j'aime et non celui qui est répété le plus de fois. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc n'hésitez pas à liker pour voir plus d'épisodes de gagner, sinon rien. Moi je vous dis à très vite, c'était Clopy. Bye tout le monde.